Lire dans votre train régional, ça fait du bien. Parenthèse avec Région Alpes. Parenthèse avec les garages Mistral à Martigny, Sion et Sierre, agent officiel de Peugeot. Peugeot prêt à prendre les routes valaisannes. Le premier est une star du polar en Suisse romande. Les lecteurs s'arrachent les aventures de son inspecteur Andreas Auer. Après un périple en Suède, il mène à nouveau l'enquête en terre vaudoise dans les protégés de Sainte Kinga. Le second a réussi un véritable coup de maître. Son dernier roman est publié aux éditions Parisiennes, Héloïse Dormesson. Et pour le clin d'œil, En vérité met également en scène un flic. Le vaudois d'adoption Marc Voltenauer et le Valaisan Yves Gaudin sont nos invités pour le quatrième numéro de parenthèse spécial fête de fin d'année bonjour à tous nous sommes de retour en librairie pour ce quatrième numéro de parenthèse à la librairie du baobab à martigny en votre compagnie asmina jacquin tocaron bonjour bonjour voilà merci pour euh, merci pour l'accueil ça marche hein, on l'a vu ce matin avant l'enregistrement il y a beaucoup de monde en librairie oui 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 ça fait du bien ouais c'est chouette en votre compagnie en la compagnie de Marc Voltenauer également bonjour à vous bonjour Frédéric merci d'avoir accepté notre invitation on va revenir bien entendu avec vous sur le quatrième tome des aventures de votre inspecteur Andras Sauer, les protégés de Sainte-Kinga avec un décor, les mines de sel à B. Et puis, dans une deuxième partie d'émission, Yves Gaudin prendra votre place. Yves Gaudin, auteur de En vérité, il est également écrivain, musicien, musicothérapeute, publié aux éditions Héloïse d'Ormesson. Et puis, bien entendu, parenthèse, c'est aussi les coups de cœur de nos libraires. Vous entendrez Julia Vecchio, mais aussi Annick Vermont. Marc Voltenauer, je commence avec vous, les protégés de Sainte-Kinga, qui met pour la quatrième fois en scène votre inspecteur. Alors, le précédent, l'aigle de sang, la trame hors de Suisse, hein, du côté de la Suède, c'était important pour vous de revenir dans ce coin de pays. Ah, C'était prévu d'avance en fait que euh, le, le suivant se passerait de nouveau dans la région puisque l'inspecteur Auer euh, travaille à la police cantonale vaudoise et puis le, 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 son, son voyage en Suède était lié plutôt à une démarche personnelle puisque euh, il, a, il y avait une inconnue sur, euh, sur ses origines et puis il a allé creuser dans son passé sur l'île de Gotland. Euh, bien sûr que très rapidement. Euh, ça, ça, ce n'est pas juste une recherche d'origine, de, 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 euh, il est tombé sur un, un, un ancien crime qui n'a pas été résolu, qui, qui était très proche en fait, de, de sa propre histoire. Et, et donc finalement, le retour d'Andreas dans le Chablais et puis à Lausanne était, était prévu de, dès le départ. Alors vos lecteurs vous réclament justement d'ancrer ces histoires ici dans des lieux qu'ils peuvent matérialiser, imaginer, qu'ils connaissent peut-être d'ailleurs alors, je pense que c'est un, un élément très important euh, et que j'entends régulièrement de la part des lecteurs et, et, et c'est aussi euh, un, un, des, un des facteurs, je pense, euh, euh, qui a fait connaître mon premier livre, le Dragon du Muvran, puisque il était vraiment ancré euh, à Grillon, dans les alpes vaudoises. Euh, et, et pour moi, c'est toujours important que le, le lieu devienne un, un, un vrai personnage principal du livre. Et je pense que c'est ce qui a beaucoup marqué les lecteurs. Euh, finalement, après le dragon du Muvran qui a tué Heidi, euh, je me suis dit que j'avais assez. Euh, massacré de, de, de Grillonnay dans mes livres. Donc, euh, une petite parenthèse à l'étranger euh, ferait du bien et donnerait des vacances un peu euh, aux gens de la région. Euh, effectivement, je pense qu'il y a aussi euh, des lecteurs qui ont apprécié euh, ce, ce périple euh, en, en terre suédoise et puis aussi aujourd'hui ce retour euh, dans le Chablais. Yasmina, Marc Voltenwehr n'est pas le seul auteur à ancrer ses hein, romans euh, dans notre coin de terroir. Ça, je crois que ça marche bien. Hein. Oui, ça marche bien. Puis je trouve que, franchement, euh, il est tellement bienvenu ce livre parce que cette année, on ne voyage pas. Donc, euh, c'est donc chouette de rester chez nous aussi et puis de voyager de, par, par, le, par le biais de vos romans. Donc, merci ouais, de nous faire, de nous faire euh, amener des intrigues comme ça euh, qui nous approprient un petit peu les lieux parce que je pense que ça, c'est chouette aussi parce qu'on on va plus euh, aller visiter les lieux que, où vous ancrez vos enquêtes de la même manière. Alors, on va revenir au protégé de, de Sainte Kinga. La trame, donc, c'est l'inspecteur Auer euh, qui est confronté à une prise d'otage, chasse-passe, on l'a dit, dans les mines de sel à B. Son neveu y est mêlé. Au fil des 500 pages, eh bien, on découvre qui sont les preneurs d'otages et surtout, c'est important, quelles sont leurs, leurs revendications, pourquoi ils arrivent finalement à retenir prisonnier une classe hein, en visite aux mines de sel. Euh, bah, Peut-être pourquoi situer ce roman-là dans les mines de sel, mais il jusqu'à il y a deux ans, vous n'y aviez jamais mis les pieds, c'est juste. Ça faisait déjà trois, quatre ans que cet environnement me, me titillait. Euh, c'est quand même en Suisse un, un endroit unique, c'est la seule mine de sel euh, euh, dans la montagne. Euh, et, et je me suis dit, ça doit être un environnement assez, assez particulier à, à, à visiter, à utiliser comme cadre pour un, pour un roman policier. Donc je l'ai visité il y a deux ans. J'ai eu la chance d'y aller avec deux guides euh, où on a pu aller dans les anciennes galeries. Euh, et rien que la galerie d'entrée, elle mesure près de 700 mètres. Euh, et 700 mètres, on est euh, serré parce qu'elle fait peut-être 60 cm de, de large, 1 mètre 60-70 de haut. Donc c'est très impressionnant de... de d'entrer dans la mine, de la découvrir par, par ce biais-là. Puis très rapidement, je me suis dit, bah, c'est un, un endroit parfait pour, pour une prise d'otage. C'est comme ça que, que l'idée a démarré. C'est un polar, c'est également un livre qui parle d'intégration au sens large. Ça, c'est le Mark Voltenauer politique qui s'exprime dans ce quatrième tome. Je pense que c'est la première fois sur les, les quatre livres où, euh, dès le départ, il y avait aussi une intention. Euh, d'y intégrer un certain nombre de problématiques euh, sociales, euh, de, 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 je dirais, euh, très actuelles. Euh, ces thématiques, elles sont présentes aussi d'une certaine manière dans mes précédents romans, mais peut-être de manière plus, plus intuitive, plus, euh, plus, euh, plus indirecte, parce que finalement, ça s'est greffé dans l'histoire. Là, dès le départ, c'était une volonté. Et, et d'ailleurs, euh, j'ai cogité pendant 3-4 mois sur les ingrédients principaux du, du, du scénario avant de commencer. À écrire parce que j'avais le lieu. Très vite, j'avais aussi l'idée de la prise d'otage parce qu'on est dans un lieu confiné. Euh, mais par contre, euh, il me manquait encore euh, la motivation des preneurs d'otage. Et pendant trois mois, euh, alors que je continuais à faire des recherches et à, et à cogiter, ça venait toujours pas. Et je me suis même demandé à, un moment de, euh, à ce moment-là, est-ce que réellement euh, je tiens euh, une bonne idée ou est-ce qu'il faut complètement que je change parce que l'inspiration venait pas euh, Et c'est très drôle finalement. Euh, un matin, euh, euh, mon compagnon reprenait un nouveau travail euh, euh, dans, dans la région. Euh, le matin, je me suis fait un café, je me suis assis l'ordinateur et tout d'un coup, euh, l'inspiration est, est, est venue. Alors, vous collaborez, vous écrivez également dans la collection Frissons Suisse. Hein, le premier, c'était euh, Taveyane, la porte du diable. Il y en a un autre qui arrive au mois de mars. On peut en dire quelques mots pas vraiment. On peut dire quelques mots. Donc, le, 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 le frisson, finalement, c'était une aventure à, à, à deux avec mon compagnon. Donc, on l'a co-scénarisé et co-écrit. -co le deuxième s'appeler Le Manoir Maudit. Euh, il va se passer à B. Et puis, l'histoire, euh, c'est une intrigue dans une maison de retraite. Euh, anciennement, dans le, le grand hôtel des, des Salines, qui, dans les faits, dans la réalité, a brûlé et n'existe plus. Mais on l'a ressuscité pour, pour l'histoire. et C'est devenu un, un, une, une maison de retraite. Et puis, ce qui est assez amusant, c'est que grâce à Taveian, j'ai rencontré beaucoup d'élèves. J'ai été dans pas mal d'écoles. Et puis, je posais un peu des questions sur euh, qu'est-ce qu'ils aimeraient y voir figurer. Euh, et notamment, dans le premier, on n'a pas osé mettre de, de, de meurtre ou de cadavre. Euh, au contraire de mon collègue et ami Nicolas Feutz, qui, qui lui a, a tué un prof d'allemand dans son frisson. C'est a... sa marque de fabrique. Hein, c'est sa marque de fabrique. Nous, on n'avait pas osé. Par contre, les, les enfants, euh, 9, 10, 11 ans, on dit, Ah, mais dans le prochain, il faut que vous mettiez un crime ». Donc on a on, on a obéi, on a on a suivi cette idée et puis cette fois il y aura un crime dans une dans une maison de retraite. Voilà, le prochain Marc Voltanower donc frisson en Suisse, ça sera en mars 2021, on va juste redonner donc peut-être le titre Yasmina en allemand du dragon du mouvement traduit donc en allemand. Oui, das Licht in dir ist Dunkelheit. Voilà, et puis pour la petite histoire le petit clin d'œil donc qui a tué Heidi traduit en roumain. Mais on n'ira pas le lire, ni vous ni moi. Hein. <laughs> J'imagine, on sera incapables. Marc tenauer merci beaucoup. Merci à vous. On vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Yasmina, vous restez avec moi. On va accueillir un deuxième écrivain, Yves Gaudin. Mais avant cela, on regarde les coups de cœur de Julia Vecchio de la librairie La Bulle à Sion. Ça s'appelle L'amour s'écrit à la main. C'est un livre-sac qui a été réalisé par Annel Clo et Antoine de Macedo. Euh, donc, un livre sac, c'est une, euh, une collection qui existe chez Crick Imprimerie, qui est une imprimerie indépendante euh, et euh, coopérative euh, de Fribourg qui font aussi maison d'édition pour certaines choses et qui ont lancé cette collection du livre sac sur le principe de cornet craft euh, euh, qu'on achetait dans les kiosques avec des bonbons dedans cette idée de sac surprise d'acheter des choses sans savoir vraiment ce qu'on va recevoir à l'intérieur et du coup on parle aujourd'hui de l'amour s'écrit à la main qui est un kit épistolaire donc euh, de lettres on trouve un petit lot de cartes postales, un livret euh, où là c'est de nouveau illustré par Anel mais avec les textes d'Anton, et on va retrouver dedans des poèmes qui sont euh, qui sont à lire avec cette grille de lecture là, qui est une grille de lecture qu'on peut tourner absolument dans tous les sens et qui va ensuite nous révéler euh, certaines phrases, euh, certaines formes et certains poèmes. Et puis euh, il reste tout un espace aussi en fin de cahier pour interpréter nous-mêmes ces petits bouts de texte parce que bien sûr, alors ça joue avec la grille de lecture. Mais ça joue aussi pour nous, on peut réinventer nos propres, euh, nos propres poèmes et nos propres notes. Et euh, on retrouve aussi deux, deux planches de faux timbres et une euh, lettre préaffranchie à s'envoyer à soi-même. C'est un projet assez particulier. L'idée, c'est derrière ça, c'est de questionner notre euh, rapport euh, à la communication déjà entre nous à l'heure euh, de, de longs échanges WhatsApp euh, qui sont souvent euh, plus quantitatifs que qualitatifs. L'idée, c'est de revenir à un autre moyen de, de communication. Euh, aménager aussi un autre temps autour de la communication, de quelque chose qui est pour nous très instantané, mais qui du coup avec l'amour s'écrit à la main. L'idée c'est vraiment de reprendre le temps autour de la correspondance et euh, peut-être relancer ce mode de communication un peu désuet, mais, mais ô combien sympathique euh, des lettres, histoire de trouver dans sa boîte aux lettres autre chose que toujours des factures. Yves Godin, bonjour. Bonjour. En vérité, publié en début d'année hein, aux éditions Héloïse Dormesson. Euh, vous aviez déjà publié Trop tard pour mourir. Je vous avais reçu sur le plateau du journal. C'était en 2015. Alors Yves Gaudin, musicien, musicothérapeute. Là, je dois regarder mes notes. Docteur en psychopathologie clinique. Comment on passe de la musique à l'écriture Bon, c'est très particulier parce que les choses se sont enchaînées d'une façon bah, totalement inattendue. Je suis en Australie pendant une période de 5 à 6 ans et euh, tout d'un coup, c'est vrai que je ne parle pas spécialement bien anglais. Je me dis qu'est-ce que je vais faire Est-ce que je vais continuer à être psychologue à Sydney ou en Australie Et puis je me suis très vite aperçu que ça pouvait pas forcément être euh, si précis que ça parce que je m'attache beaucoup aux mots déjà dans mon travail de, de psychologue. Et puis j'ai eu la chance d'avoir pas un parcours en lien avec la littérature mais avec l'écriture la langue m'a toujours intéressé la musicalité de la langue m'a intéressé je termine ma thèse de doctorat et puis il me reste beaucoup de temps alors je crois que c'est un peu le luxe par définition dans ces temps qui sont complètement fous il y a une dernière séance lorsque j'exerçais comme thérapeute à lausanne avant que je parte en australie où le patient n'est pas venu donc j'ai commencé à écrire un peu une Ce y a ce qui aurait pu commencer par une sorte d'autofiction, un, un type qui part dans un conteneur et qui se retrouve enfermé. Je reprends ces notes. Et puis, c'est là que alors que moi, qui n'avais jamais écrit, même pas un petit, petit poème comme ça au coin d'une table adolescent. C est, c est, voilà, c'est vraiment l'écriture qui est venue à moi. Et puis, ça n'a plus arrêté. Alors, on revient à, en vérité. Donc, l'histoire Émile Blanchard, c'est un vieux flic, hein, tendance plutôt pas bien dans sa tête, hein, dépressif. Une affaire de meurtre au pluriel. Il y en a plusieurs. Et puis il va enquêter dans les milieux des laboratoires dont le but est de prolonger la vie. On s'entretenait avant avec Marc Voltenauer, l'un des maîtres du polar en Suisse romande. C'est un polar aussi ce livre. Et pourtant, j'ai lu plusieurs reprises que vous n'oubliez pas qu'on parle de lui comme un polar. Pourquoi Non, non c'est pas que, que je ne veux pas. Chacun, je pense, c'est pas, pas le premier. De... Pardon C'était pas le but premier de voilà, faire un polar. C'est pas, pas, comment dire, dans cette intention-là que je l'ai écrit. Après, c'est vrai que j'ai eu la chance d'être invité au Quai du Polar, que j'ai du, du, été nommé pour le, le prix du polar suisse romande, qu'il y a des, des gens qui disent oh, Quel polar magnifique Et ben, Oui, pourquoi pas Je ne fais pas de, de, de différence comme ça dans les genres. Moi, j'ai écrit parce qu'au début, euh, je me suis dit Mais on ne raconte pas assez. Alors après, j'ai vu que les, les gens du Nord, les Suédois, etc., euh, s'intéressaient plutôt déjà à cette manière-là de traiter les polars. Je me suis dit Mais. On raconte souvent une intrigue dans un polar et pas forcément la vie du flic ou, que, ou comment dans, dans quel espace et dans quel milieu familial et, et comment, il, comment il vit ce, ce flic donc c'est un petit peu ça qui m'a intéressé au début. Alors, oui, vous le dites, il hein, y, y a trois meurtres, il y en a même quatre, euh, ce qui peut faire penser à un polar. Mais je pourrais facilement décrire toute l'intrigue du livre sans que je, je trouve qu'on euh, on, on divulgue quelque chose de l'ordre de, 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 de l'interdit ou, ou qu'on tue le suspense, parce que je trouve que c'est plus dans le style et dans la manière de raconter les choses, euh, plus que comme un polar traditionnel où on se dit Ah, mais on cherche l'assassin. Finalement, de savoir qui est pas l'assassin, ça ne me change pas tellement. On va revenir aussi sur la forme peut-être avec you, Yasmina. Il euh, y a une forme euh, typique Yves Godin, hein, un gros travail sur, sur les mots. Oui, sur les mots. Et moi, je trouve qu'on sent sa musicalité. Moi, je me souviens d'une... Ben, en début d'année, on a fait une soirée ici et, euh, et Yves s'est prêté à la lecture d'un passage. Et je trouve qu'entendre les mots... Dit à haute voix, on, on, on sent un rythme, on sent vraiment un rythme musical qui s'instaure et, et ben, je pense que c'est un roman qui, qui vaudrait la peine d'être euh, euh, un roman audio aussi. Mm -hmm. C'est important pour vous d'ailleurs, petite anecdote, un hein, coulisse de, de tournage ou d'écriture plutôt, vous vous enregistrez, vous vous écoutez avant de vous dire tiens ça c'est bon, je peux l'écrire comme ça. Bon, je suis un petit peu entré dans la littérature par le biais de la musique et de la musicalité. Donc, ce qui m'en reste, c'est ça c'est effectivement euh, le son des mots, le rythme des phrases, le, le nombre de pieds et puis tout ce qui est autre. On, on, a une, on a une écriture verticale dans la musique comment je peux puiser dans le lexique du langage Comment je peux, grâce à la métaphore, euh, faire en sorte que j'élargisse ou que j'enrichisse un, un passage Comment ben, on entend la musique de gauche à droite Finalement, ce n'est pas si important que ça. On peut entendre tacadati ou bien ta ça donne du sens, mais on ne peut pas lire une phrase à l'envers. Donc, comment je peux triturer la phrase Et c'est vrai que je me suis aperçu qu'en en, en écoutant des gens qui avaient lu mon livre hein, le premier roman, Trop tard pour mourir euh, selon le lecteur, eh bien, ça change beaucoup et, et là j'ai encore plus que les conseils qu'on me donne souvent, ah, il faut, il faut s'écouter il faut, il faut parler à haute voix dès lors qu'on écrit je me suis enregistré pour voir effectivement comment ça sonnait et c'est quelque chose qui reste alors. Édition Héloïse d'Ormesson édition parisienne ça, chaque auteur Valérie en suisse court après ce type de, de maison d'édition, Yasmina oh, Je pense qu'il faudrait poser la question à Yves <laughs> Alors clairement, c'est magnifique au terme de l'ego, c'est magnifique en termes de diffusion. Je, je disais avant, moi, je n'ai pas une prétention littéraire énorme, mais si je peux amener à faire en sorte que le mec qui se retrouve au Havre ou, à, ou, à, ou, à, ou à, en Belgique, ou, enfin, grâce à la diffusion de la francophonie de manière générale large, euh, avec des émissions TV5 monde des, des trucs sur le point, des articles, c'est vrai que c'est intéressant en termes de diffusion. Euh, et ça serait faux de dire, ah, on ne recherche pas d'être publié en France. Mais ce n'était pas un but en soi, ni, ni le style, ni... Euh... Quand j'écris, clairement, je ne m'adresse pas à un lecteur. Si le lecteur ensuite peut s'approprier ce que j'écris, c'est tout bénéfique pour moi, forcément. Euh, mais en termes de diffusion et en termes de reconnaissance et surtout d'encouragement pour la suite, ça m'a donné un truc de... de... Et, puis, et puis bon, voilà, l'humanité et le professionnalisme d'Héloïse, c'est un truc euh, incroyable. Mais je pense que c'est euh, peut-être le souhait de tout écrivain qui a peut-être déjà euh, publié un livre de tout à coup ben, pouvoir sortir des frontières. Je crois qu'on en parlait dans une, une, une émission avec Nicolas Feuille, qui, qui tout à coup se disait ben voilà maintenant j'ai envie de, de sortir un peu des frontières suisses et puis de, parce qu'il y a de la demande peut-être et, euh, et puis ça permet voilà, ça permet une visibilité euh, dans des contrées qui, où le livre le petit éditeur suisse sans, sans le dénigrer du tout ben, aurait pas forcément une bonne visibilité. Voilà, quelques mots pour terminer sur le premier roman, justement, Trop tard pour mourir, 2015. Un homme euh, qui veut changer de vie, fuir son passé. Alors à l'arrivée, euh, il va quitter la France pour l'Amérique du Sud, enfermé dans un container, on l'imagine là, au milieu, hein, pendant 28 jours. Euh, un huis clos assez sordide, hein, je dois dire. Cinq ans entre les deux livres. Le prochain, il est pour quand Le prochain... C'est un des aspects bénéfiques du confinement. Ça m'a laissé beaucoup plus de temps. En plus de ça, moi qui avais la rigueur de la musique, euh, j'ai maintenant euh, une certaine rigueur. Où je ne fais pas de concurrence à Amélie Notton ou à d'autres, mais je me lève à 5 heures et puis j'ai cette, euh, cette régul régularité. Je pense que moi, je n'ai aucun conseil à donner à personne, mais si quelqu'un veut essayer de. de bah, soit dans la peinture, la littérature, la danse ou peu importe, c'est d'avoir une certaine régularité. Donc j'ai, grâce au confinement, beaucoup de temps. J'ai dégagé aussi euh, du temps professionnellement. Je ne suis plus psychologue à, à Lausanne dans une école avec des enfants spécialisés. J'ai un cabinet à Sion, euh, mais le donc, ce qui fait que j'ai pu euh, me donner plus de temps, et le prochain, parce que j'écris aussi peut-être un peu plus vite maintenant, va aboutir sous peu. On peut dire que c'est un roman d'amour qui finit bien, j'ai le droit de le ouais, dire. Oui, c'est parti sous le ton d'une boutade avec une libraire euh, qui me dira ah, Mais tu veux pas écrire un roman d'amour Tous les romans d'amour que j'ai lu sont finissent un peu de façon cucu. Et puis, j'ai essayé de faire en sorte que si dans le, le roman, en vérité, on s'interroge sur savoir si on peut tuer par amour. Là, j'essaie de savoir grâce à une sorte de guerre entre la, la spiritualité et la religion de savoir jusqu'où on peut aller pour pardonner. Ian disait qu'on ne peut pardonner que l'impardonnable et j'essaie de savoir si euh, les gens sont prêts à pardonner des choses qui sont assez euh, préjudiciables. Elle a découvrir en 2021, vous restez avec nous le temps euh, de voir les coups de cœur d'annick Vermot de la librairie Zalactore Planète BD. Notre coup de cœur de cette semaine, eh bien, va parler d'un petit animal Jaune, au pelage tacheté, à la très longue queue préhensible. Vous l'avez reconnu C'est le marsupilami. Mais cette fois-ci, Franck P. et Zidrou ont décidé de nous proposer un marsupilami réaliste. Dans La bête, Franck P. avec son trait magnifique et son amour des animaux a transformé le marsupilami. Il en a fait une véritable bête. Et son histoire commence très mal. Il a été capturé par une tribu en Amazonie qui l'ont revendu à des trafiquants d'animaux. Le marsupilami échappe à ses géoliers et il s'enfuit à Anvers dans les années 50. Il est recueilli par François, un petit garçon qui adore les animaux. Dans un récit sensible et intelligent, Zidrou nous conte le trafic d'animaux sauvages qui gangrène actuellement l'Amazonie et d'autres biotopes. Dans ce récit, qui est moins édulcoré que ceux de Franquin, eh bien, nous allons suivre ce marsupilami qui est désespéré, perdu, qui est sauvage, bestial, et il nous interroge sur notre rapport à l'autre, qu'il soit humain ou animal. Vous allez pouvoir rire, vous allez pouvoir vous émouvoir. C'est un très très beau récit qui va être mis en deux tomes. Dans le premier tome, nous allons faire connaissance de François, du marsupilami et d'un tas d'animaux plus éclopés les uns que les autres. Et dans le second récit, peut-être il y a un espoir pour ce pauvre marsupilane. Pour notre deuxième coup de cœur, nous avons choisi de l'action avec Il faut flinguer Ramirez. Vous aimez les films de Tarantino façon kill-bill ou pulp fiction Eh bien, cette bande dessinée est faite pour vous. Du comique, des situations décalées, de l'action, de la destruction, de l'humour, du mordant, du pastiche. Nous sommes avec Ramirez. Qui est un homme très discret, timide, muet. C'est l'employé modèle d'une maison qui vend des aspirateurs et qui fait du nettoyage. Mais voilà, sa ressemblance avec un tueur à gage est frappante. Et voilà qu'à la suite de ce quelques quiproquos, il va se retrouver à l'arrière de sa voiture, kidnappé par deux braqueuses de banque, la police à ses trousses et en plus les gangs des Mexicains qui veulent sa peau. Est-il vraiment ce tueur à gage ou pas Venez le découvrir en feuilletant les pages de Il faut flinguer Ramirez. Nous vous souhaitons d'excellentes fêtes, une très bonne santé et à tout bientôt. Voilà, Yasmina, vos coups de cœur à vous. Donc, un livre jeunesse et puis un livre de cuisine. Vous commencez par ce livre cuisine qui, qui pèse son poids, hein, apparemment. Ah oui, il y a un joli poids. Du coup, je l'ai déjà pris en main. Euh, C'est aux éditions Marabout. C'est un livre. Très intelligent qui s'appelle On va déguster l'Italie. Donc, oui, c'est un livre de cuisine, mais pas que. En fait, vous allez découvrir l'origine des produits, vous allez comprendre d'où vient le risotto, vous allez savoir les différents types de jambon de Parme qu'il existe. Donc, vous allez à la fois cuisiner, mais cuisiner intelligemment. Du coup, c'est peut-être l'occasion, pendant que vous cuisinez, de converser avec euh, madame ou monsieur euh, qui, qui est au fourneau. Donc, euh, est, ils ont déjà publié d'autres euh, variantes euh, sur l'Italie euh, chez Marabout, mais celui-ci, vraiment, je trouve qu'il vaut le détour. Euh, il est aussi dans la nouvelle tendance des livres de cuisine où non seulement il y a des recettes, mais on parle aussi des produits euh, qu'on qu peut trouver et la qualité de, de chacun d'eux. Voilà, on va déguster l'Italie aux éditions Marabout si mes yeux euh, voient bien. Tout à Et fait. puis un livre jeunesse également, alors on va vous Merci. tendre là. Oui, alors euh, ce n'est pas directement une nouveauté, mais c'est une nouvelle édition d'un livre jeunesse que je trouve sublimissime. Et puis je me dis que cette année, euh, moi j'ai envie de, de la finir bien. Euh, je pense qu'on est tous responsables de la magie qu'on va mettre dans ce mois de, de, de décembre. Et, euh, et il s'appelle Et si on redessinait le monde En fait, euh, c'est Nathalie Novi qui est euh, illustratrice qui, euh, pour la première fois, c'est une illustratrice qui a soumis ses illustrations à un écrivain, en l'occurrence ici, Daniel Picouli. Et c'est lui, à partir des illustrations, qu a créé du texte. L'idée de base, c'est qu'elle s'est inspirée de cartes, de vieilles cartes de géographie, sur lesquelles elle a euh, dessiné afin de... Enfin, en laissant en, 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 en libre cours à son imagination. Je ne sais pas si je peux... Vous le montrez comme ça, voilà. Et puis, euh, donc moi, je trouve, je trouve le procédé euh, génialissime. Et puis, à chaque fois, bah, Daniel Picouli a imaginé euh, « bah, Et si je redessinais la Mongolie Et si je redessinais l'Angleterre Comment serait ce pays-là » Et puis, c'est un livre aussi qui a une jolie histoire ici parce que Nathalie Neuville est venue en exposition. Et puis, une classe de Sierre voulait, euh, voulait participer euh, à une présentation de Nathalie, mais n'avait pas le budget. Donc, du coup, ils sont venus. Et puis, euh, bah, ici, avec nos libraires, on a, on a accueilli la classe. Et puis, ben, moi, je suis quand même encore un petit peu enseignante dans l'âme, mais j'ai proposé à cette enseignante de dire ben, Je vois qu'il y a plein de nationalités différentes dans cette classe, et si vous meniez ce projet-là dans votre classe Et si chaque enfant redessinait son monde, redessinait la Suisse ou son pays d'origine Et en fait, ça a été génial parce qu'ils ont fait le travail. Et je leur ai fourni l'adresse de Nathalie Novi, l'illustratrice, et puis il y a eu un, géant, un génial échange entre eux. Donc, et si on redessinait notre Noël cette année-ci voilà, merci beaucoup. Le message est passé. Merci pour l'accueil également. On se retrouve l'année prochaine. Mm -hmm. pour de nouvelles aventures de parenthèse. Yves Godin, dernière question. Qu'est-ce que vous lisez, vous, en ce moment Alors, j'en ai plusieurs de fronts, notamment dans l'optique de l'écriture du roman que je suis en train d'écrire. J'avais jamais compris la poésie. J'essaye avec Charles Juliette de, de, de m'y intéresser. Et puis, je commence Proust. Alors, ça me parle beaucoup. C'est mais... un sacré challenge, ouais, ça aussi. Mais j'aime beaucoup. <laughs> voilà, merci à vous deux. En tout cas, on vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Et puis, nous, on va se retrouver l'année prochaine pour un nouveau numéro de parenthèse en compagnie de deux invités Manuela Guécrosier, écrivain valaisan, et puis Pierre-André Milite qui préside la Société des écrivains valaisans. Bonne soirée à tous et de bonnes fêtes de fin d'année. parenthèse avec les garages mistral à martigny, sion et sierre, agents officiels de peugeot, peugeot, prêt à prendre les routes valaisannes.